petits copains, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on va faire des pains au fromage. Donc d'où ça vient? Du Brésil. Maman qui m'a appris, mais elle va nous aider parce que voilà. Bref, les pains au fromage, vous demandez bien qu'est-ce que c'est? Ben en fait, c'est du pain rond avec du fromage à l'intérieur. Et c'est très très bon. Voilà, bref. Et avant tout, de tout commencer, il faut se laver les mains. Maman va allumer le feu, enfin le four, je veux dire. Elle va mettre tout ça avant de commencer, sinon c'est raté. Il n'y a vraiment pas de danger, c'est très facile à faire. À part qu'il faut faire attention au four. Mais bon, voilà. Donc là, nous n'avons qu'un seul saladier. Un seul, comme ça. Avec... un œuf, pareil, petit. Ça. Nous avons ici de la farine chinoise. En fait, je vais vous dire parce que c'est pas très bien à lire. En fait, ça vient des magasins chinois qu'il y a partout en France. Donc, ouais, ça vient de. C'est, il s'appelle, enfin, je sais pas trop, mais c'est tapioca. Tapioca. Et ça vient de Annie. Bon, non, je crois pas. Voilà. Enfin, voilà, pas trop. Et il faut faire très attention. Voilà, bien sûr, le principal, du fromage. Vous pouvez prendre n'importe quelle sorte. Hein. Parce qu'en fait, là, on avait que ça, du coup, on a fait avec ça. Là, nous avons de l'huile. D'olive. Voilà. Et nous, là, nous avons du lait qu'on va remplir à ras-bord jusqu'au trait. Et on va le mettre dans le micro-ondes pour que la pâte soit chaude. Voilà, pour bien que ça soit. Donc maintenant, c'est parti. Donc maman va nous dire de quoi faire, mais d'abord, on se lave les mains. Voilà. Donc, il est où le produit? C'est ça? Allez, je vais laver les mains, moi aussi. Elle est où la machine du dieu? Julia, pardon, t'es sur le... Hop là, c'est là, regardez, ça va être fait. Donc, tu peux faire passer, hop, c'est bon. On va commencer. Et ah, maman va nous allumer le four. Donc, elle va montrer. Voilà, pour bien que ça soit bon. Bon. Donc voici Max. Donc c'est Max, le truc. Et là c'est ce petit signe. Bon, ce moi, petit symbole. Et maintenant c'est parti. Donc on commence par ça. Donc tu vas mettre du lait. Alors maman va nous dire à quelle température on va mettre. Donc tu mets juste que ça, tu fais très doucement. Ah, c'est bizarre. Et stopage. Voilà. C'est stop. Maintenant, je vais le mettre. Regardez bien comme c'est bizarre au fond et au début. Comme c'est vraiment bizarre. Voilà, en fait, c'est comme ça. Ça commence comme ça, même. Après, on va le mettre au micro-ondes, ça va être mieux. Combien, maman? Yes. Donc voici ouais. Ces deux, c'était ça. Donc si vous avez bien suivi, vous dites dans les commentaires et on va vous dire. On va maintenant, on va mieux vous donner les... On commence par l'œuf. Donc là, je le garde. T'as mis ça quand même. Alors je te tiens bien le saladier, pas qu'il tourne. Parce que si tu... Donc s'il y a des coquilles, on les enlève comme d'habitude. Il y a des coquilles. Alors tu peux enlever... Ah ouais, il y a une toute petite coquille. Attends, mais... Je vais prendre un truc. Par contre, je commence à touiller pour que ce soit plus facile. Non, c'est moi. Oh, je vais... Pardon. Je commence à touiller. Oh, je peux pas commencer, maman. On met de la farine. C'est moi qui mets la farine. Il faut couper. Pardon, Julia. T'as pas... Ah, j'ai cru que tu les avais laissés dans la chambre. C'est pas trop fort. Non, c'est pas trop fort. J'y arrive pas, maman. Ah, ça s'est bien cassé.
vise très bien. Je mets. Voilà, regardez bien comme c'est bien liquide. Voilà. Une cuillère. Ah, on prend avec la cuillère. Ouais. Après, on prend une cuillère. Deux cuillères. Trois cuillères. Après, je touille. Hein. Deux. Et la troisième. Vous avez vu? Donc maintenant, on va mettre ça là, de côté, pour au gazon. Donc maintenant, c'est à moi de touiller. Essaye de couler. Donc, oh mince. Une petite bêtise. Bon, maintenant, je touille. Hein. Je nettoie. C'est pas grave. Donc, on va... On nettoiera à la fin. D'accord. Il y en a partout. Donc pas sur les... En fait, il y en a partout. Regardez, ça j'ai de partout. Mais maman montre. Bon, je finis tout de suite là parce que là. Et ça a vraiment giclé. Passe maman la caméra. Regardez ce joli micro-ondes. On dirait du pollen. Bon, quand même, non. Là. En fait, là, pour l'instant, ça ne fait pas la pâte parce qu'il n'y a que de la farine. Regardez. Ça ne fait pas la pâte. Ça ne... Non, mais Julia, c'est moi qui touille. Julia! Mais non, mais maman, elle fait depuis tout à l'heure. Tu partages, Julia. Non, il faut vider ça. Tu vides le truc. C'est bloqué quand même. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Voilà, elle fait tout. Donc c'est un peu dur parce qu'en fait elle doit se décoller au début. Je peux faire, j'ai dit, j'ai plus de force. Ah, je vais le faire. Julia, non, mais tu le fais depuis tout à l'heure. Ok, je fais rien. Donc maintenant, elle coupe le fromage râpé. Tiens, Julia, tu vas mettre le fromage râpé. Je vais le faire. Je vais couper. Ah, il y a tout qui est bloqué là. On a rajouté deux fois encore de la farine parce que la farine ça va faire bien faire la pâte. Donc voilà le fromage râpé, j'en mets un petit peu. Tu mets une grosse cuillère, mets une grosse cuillère. Non, c'est bon, je vais faire avec les doigts. Non, mais pas une grosse cuillère, mais mets une grosse poignée. Mets tout, tu mets tout? Non, maman elle te dira stop, d'accord? Là, on rajoute encore la farine. Ma mère, ma soeur fait déjà quelque chose. C'est bon, maman, elle en a mis assez? Oh non, je voulais manger. Il en faut encore. Encore quoi? Encore maman? Non? Ok. Maintenant, maman, on va touiller. Voilà, qu'est-ce que ça doit donner normalement? Regardez maman, toute sale. Tu peux goûter? Je peux touiller. Oui. La vie, j'ai pas presque pas touillé. Oui, tiens. Ça a beaucoup le goût à l'huile. Après? Je vais mettre du sel, regardez. Donc c'est pas forcément ce sel, mais il faut rajouter du sel.
C'est forcément celui que vous voulez. Hein. C'est bon. On prend. Donc, elle va mettre dedans. Donc, on va le maman, on met de l'huile, non? Ah non. Et c'est moi qui va mettre dedans parce que ça c'est très. Moi aussi je vais en mettre. Hein. Oui. Toi tu mets la deuxième plaquette. Moi je mets celle de cœur. Non, on trouve c'est moi qui l'a. Maman. Bon d'accord, allez, je commence alors. C'est moi qui mets, c'est moi qui mets. Maman va montrer. Donc, on en prend un peu. Moi, je mangerai ça de cœur. Peut-être que ça sera avec des cœurs, mais peut-être pas sans. On s'en donc, fiche voilà. Quelle moule, mais il faut des moules. Donc, maman va nous dire un peu la quantité. Elle va nous dire stop, allez, on rajoute ça. Parce que c'est dur. Mais elle va pas nous dire. Et à la fin, on va lécher le plat. Comme on fait un peu d'habitude. Voilà. Je suis poids. Le plat, je mangerai tout. Bon, c'est bon. Attends. Donc là, elle décolle. Donc c'est moi qui commence. Maman, on fait les deux trucs. On fait les deux. Ok, on fait les deux. Moi, je prends. Hop, je commence. Donc, on fait six. On fait comme ça. Oh, je vais prendre une deuxième cuillère. Donc en fait, on fait les deux plaquettes. Montre l'autre plaquette comment elle est. Voilà, là, vu qu'il y a des cœurs. Voilà. Donc là, je vais commencer avec une autre. Comme ça. Et là, hop, on fait l'autre. Donc avec ton doigt, tu racles. Il n'y en a pas beaucoup, hein, je rajoute un peu. Ça va gonfler après aussi. Hein. Après, ça va gonfler, alors vous inquiétez pas. Hein. Comme ça? Ouais. Ça va. Donc après, ça va gonfler, du coup, n'en mettez pas à bord. Ouais, parce sinon... que sinon, après... Par contre, étalez bien, comme ça, à peu près, pour que ça prenne la forme. C'est chaud de travailler. C'est bien? Avec un doigt. Ah, c'est pas. Mais c'est pas grave. Ouais, c'est tombé dans le mille, du coup, c'est bien. Et après, en fait, à la fin, on va rajouter tout ce qui reste pour que ça complète bien. Hein, maman? Ça va, Julia? Et elle, c'est un petit peu plus dur parce qu'il y a les cœurs, du coup, elle doit bien mettre au fond. Et ouais, mais regardez mes doigts. Donc maintenant, on complète tout. Moi, je vais compléter. Bon, c'est-à-dire, je prends. Donc là, par exemple, il y en a assez. Là, par exemple, il n'y en a pas beaucoup. Du coup, je complète un peu. Ok, bon, moi, je peux continuer. Hein. Voilà. C'est vraiment dur à faire. Mais bon. Je vais le faire, maman. Donc après, il faudra aussi les sortir. Tu pousses avec le doigt. Tu nous mets partout, regarde. On va vous montrer qu'est-ce que ça va donner au final, hein, maman. Du coup, il faudra attendre, hein, parce que ça cuit, hein, ça va cuire. Le cuir, c'est pareil. C'est bon? Mon Dieu. Oh, tu veux goûter? Vous voulez goûter, les petits copains? Tenez. Non, je peux en goûter. Vous pouvez pas? Maman, ils peuvent goûter? Tenez, vous pouvez goûter, serment. Voilà, complètement complet. Tu peux montrer? Comment c'est complet, moi? Oui, c'est tout complet. Ah oui, c'est ça. Regardez. Si vous voyez toute la plaquette entière, là vous la voyez tous. Et si vous les comptez, il y en a 6. Parce que 3 plus 3, ça fait 6. Et là, il y en a 3 et 3. Donc en fait, il y en a 6 par chaque paquette.
Là, je suis en train de filmer à la place de maman. Moi, je mange. Parce que maman, elle est en train de finir mon plat. Parce que c'est dur. Hein. Regardez bien comme il est complet. Voilà, alors on prend la caméra. Maintenant, on râpe. Ah, regardez. Bien. Non, mange. Je mets sur la table. c'est bon. Ouais. Bye bye. Maintenant, on va le mettre au four. On sait. Moi qui va le faire, mais je vais faire très attention parce que. Donc, on les met comme ça, direct. Prenez pas, tu vas pas te brûler. Tu les mets comme ça. J'arrive pas, ça bloque. Maintenant, c'est bon. Et on ferme. Oula. Donc maintenant il faut 10 minutes, donc on peut mettre la cocotte. Je sais pas trop comment ça se fait. Tu me ça va. Moi je sais comment ça se met. Je sais. C'est bon. Et ça va? Oui. Donc pour l'instant on vous filme, on fait des blagues. La blague c'est donc bye bye. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et sur une prochaine vidéo on vous montrera qu'est-ce que ça a donné. Et on les goûtera ensemble. Non je plaisante, on les goûtera pas. Oui, petit copain, de la vidéo. En fait, on va sortir. Maman va sortir les pains au fromage et va en ouvrir un pour voir comment c'est crémeux avec le fromage. Et nous, on ne l'a pas fait rond parce qu'on préfère comme ça, mais d'habitude, vous pouvez mettre plus de farine. Et faire des boules comme ça. Et après, en fait, ça fait un jour. Bref, je vais tenir la caméra et maman va vous montrer. Allez, c'est parti! L'arrêter là aussi. Ah, purée. Ah, donc elle va sortir avec un torchon. Donc elle sort ce deux cœurs. Ah non, ça c'est le mien. Regardez, c'est trop bizarre. Elle sort ce deux cœurs. On a déjà un qui a jailli. Maintenant, je vais ouvrir un. J'en veux en faire un pour montrer comment c'est crémeux. C'est moi qui ouvre, maman. Hop là, c'est moi qui ouvre. Donc, vous voyez, c'est ça avec le cœur. Maintenant, je vais ouvrir. Je sais pas comment on trouve mon prendre. Ah, c'est chaud. Attends, je peux le faire? J'arrive pas. Je peux essayer, maman? Comment je peux essayer? Regardez, c'est... Oh! C'est chaud! Lève-toi. Il faut attendre quelques minutes avant que. Voilà. Tu peux croquer? Tu peux tenir, s'il te plaît? Ah, c'est. Regardez, j'ai croqué. C'est brûlant? Oh, mon gros bon! Oh, regarde. Vas-y, je goûte, ça me goûte celui-là. J'ai peur que ça soit trop chaud. C'est chaud. Voilà, terminé. J'espère qu'elle vous a plu.